fait un volé-volé. Et après, on fait ça. C'est sympa, on s'est bien entraîné, c'est une super expérience. Voilà, c'est que des grands joueurs, des mecs super sympas, très bienveillants. Matinée. Puis Hugues, il a enchaîné deux entraînements. Donc, non, ils sont bien. C'est des bonnes conditions en plus pour s'entraîner. Ouh, c'est une Lulu. Sous. Et alors, papa? Là, c'est bien, c'est une belle frappe. Hein. Ouais. C'est joué, c'est important. Il y a la 90e. Allez, frappe. Frappe. Benjamin, je suis honoré de te remettre cette veste. Alors, je vais demander à Arthur de venir, puisque c'est le dernier qui a été sélectionné l'année dernière à Innsbruck. Passation de saison. Je suis fier de t'avoir sélectionné et je suis persuadé que tu as apporté énormément à l'équipe de France. Bravo mon gars. Je suis très honoré d'être dans cette équipe. C'est vrai que voilà, j'ai grandi avec ces campagnes de Coupe Davis à la télé. C'était un rêve plus qu'un objectif d'en faire partie un jour, mais je suis très content d'être dans ce groupe. Voilà, vous m'avez tous super bien accueilli, c'est génial. Donc voilà, j'espère que ça va mettre à pichenette. J'espère que la rencontre nous sera favorable et puis voilà, on va tout donner pour l'équipe de France. Bravo. Ouais, Arthur, parce que voilà, on a fait appel à toi au dernier moment et tu t'es désengagé d'un tournoi, tu es venu, tu as pris la route pour venir nous aider et accompagner toute l'équipe tout au long de la semaine. Donc on apprécie vraiment ce geste et j'espère que ça va rester une très belle semaine pour toi et je te souhaite vraiment plein de réussite pour l'avenir. Tout joueur de tennis rêve de porter les couleurs de son pays et j'espère plus tard jouer à vos côtés. Là, je pense que je suis un partenaire et j'espère vous apporter tout ce que je peux et puis j'espère dans un futur proche défendre ces couleurs à vos côtés. Ouais.